mardi et je vous retrouve pour mon retour de course. Donc là, c'était des grosses courses, enfin il y a pas mal de choses assez imposantes en taille, parce qu'il y avait des promotions à Intermarché qui étaient quand même très intéressantes pour les couches, pour le lait, etc., etc. Bon, comme d'habitude, on va commencer avec les surgelés. Alors, pour les surgelés, on commence toujours par les habituelles pizzas, donc la Fresh Up Reine Blanche pour moi, et la Four à Pierre Chorizo pour monsieur, comme d'habitude. Ensuite, j'ai acheté des légumes surgelés parce qu'on n'en trouve pas encore des frais bons. Alors, je ne reviendrai pas sur la petite polémique qu'il y a eu sur la vidéo de la semaine dernière. Donc, je n'achète pas de fruits et légumes espagnols parce qu'ils n'ont pas de goût, ceux qui se trouvent dans mon magasin. Point. Donc, du coup, j'achète des produits surgelés. Bon, malheureusement, je sais qu'ils viennent de je ne sais pas où. Quoique, c'est des Intermarché. Intermarché, normalement, viennent de France. Donc j'ai acheté des haricots verts extra fins, j'achète un gros paquet parce que Juliette en mange et nous aussi. Comme je n'ai pas trouvé de bons brocolis, j'ai acheté des brocolis surgelés. Ils sont très bons ceux-là et au moins ils se gardent. L'autre que j'ai acheté la semaine dernière, j'ai à peine eu le temps de l'utiliser, il a pourri. Pour Juliette, j'ai acheté une julienne de légumes. En fait, je lui fais en purée et elle aime bien, dedans il y a du céleri, du poireau et des carottes. Et elle aime plutôt bien cette purée avec un petit fromage dedans, elle adore. Et pour finir dans les surgelés, des buns pour mon homme. C'est pour son repas de midi au travail parce que les vacances, ça y est, c'est fini. Il retourne travailler lundi, donc c'est poulet rôti et thym. Ils sont très très bons ceux-là. Donc pour les surgelés, c'est tout. Comme d'habitude, je range et je vous retrouve après. Allez, on continue maintenant avec les produits frais. Donc déjà, j'ai acheté mon fromage, le crémeau, comme d'habitude, que j'adore. Du gruyère râpé pour mettre dans les pâtes, enfin du gruyère de l'emmental râpé de chez Pâturage. Du beurre tendre, doux. Hein, je vous expliquais la dernière fois, je préfère prendre le doux, malgré que j'adore le demi-sel, mais pour cuisiner, je préfère. Et du rôti de porc cuit avec moins 25% de sel. Ça c'est pour mettre dans mon gratin dauphinois parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais mettre, ce que je mets d'habitude. Donc je vais essayer avec ça, voir ce que ça donne. Ensuite, une pasta box 4 fromages pour mon homme, vous l'avez deviné, parce que moi j'aime pas ça. Hop. Ensuite, des roulés au fromage, pareil pour monsieur, pour un de ses midis au boulot. C'est toujours les mêmes. On va rester dans les repas de monsieur, les fameux hot dogs habituels, hein, pour changer. Ils sont très bons, donc du coup, il rachète et il a raison. Ensuite, il y avait des promotions sur les Danettes, c'était 1€ les 4, donc c'est pour mon homme. Il a pris chocolat noisette et pistache. Donc chocolat noisette, moi je ne raffole pas forcément, je trouve ça vraiment trop le goût du Nutella. Pistache, j'aime pas ça, donc comme ça au moins il est sûr, je ne vais pas lui piquer. Il a fait exprès, j'en suis sûre. Ensuite, des steaks hachés de la marque Jean Rosé. Donc je voulais prendre parce que le boucher qu'on a Intermarché, il est nul. Donc du coup, je voulais prendre la viande en barquette. Mais vous voyez qu'elle avait commencé à sécher sur les bords. Donc du coup, on a pris des steaks hachés. Qui ne sont pas mis en barquette sur place, mais qui sont reçus après. Ensuite, du filet de dinde doré au four pour Juliette. Du jambon pour Juliette. Pour les midis. Alors, on a trouvé ceci, du pâté à l'échalote, donc domaine Picard, donc de notre région. Donc, on va tester ça ce midi pour voir si c'est bon. C'était pas très cher et ça a pas l'air d'être mauvais, c'est fait dans le 80. Donc, le 80, pour ceux qui savent pas, c'est la Somme. Donc, c'est un département voisin du nôtre. Ensuite, une autre pasta box qui est cette fois-ci pour moi. Alors c'est une toute nouvelle, j'ai jamais testé. C'est fusilli aux courgettes et tomates cerises. Donc là c'est vraiment le test ultime parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Huile d'olive et basilic. Donc on verra bien quand je vais la manger. Et je vous en donnerai des nouvelles. Et ensuite pour Juliette et pour moi, j'ai acheté des yaourts nature sucrée qui sont très bons. Et Juliette les aime beaucoup. Donc du coup j'ai acheté ceux-là. Ensuite, des fraises. Donc les fraises, c'est pour Juliette qui adore ça. Donc il n'y avait pas les petites gariguettes habituelles. Donc du coup, j'ai pris des 6 florettes. C'était quand même pas donné. Mais bon, malgré tout, je sais que ça lui fait plaisir. Donc je lui en achète. Des œufs.
comme d'habitude, de la salade iceberg pour accompagner, je ne sais plus pourquoi j'ai acheté, attendez, je regarde, ah oui, pour accompagner l'omelette, une petite salade à côté, c'est très bon. Et pour ce qui va au frais, normalement c'est bon, je vais tout ranger et je vous retrouve après. Allez, on continue maintenant avec la fin des courses, donc il en reste encore pas mal. Déjà pour commencer, mes habituelles chocobilles, je ne vous les présente plus pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos. Ensuite on a acheté du pain, des demi-baguettes pré-cuites à faire cuire au four, c'est pour aller avec le pâté que je vous ai montré à l'échalote là, donc on va faire ça ce midi. Ensuite, les nouilles chinoises, les banzai noodles de chez Lustucru, hein, pareil, hein, vous commencez à les connaître, on aime bien. Donc ça c'est pour un des midis de ce week-end, parce qu'on n'a pas envie de faire à manger. Du filet de maquereau au vin blanc de la marque Odyssée, donc c'est une grosse boîte. C'est pour mon homme, pour un de ses midis, un de ses repas du midi, il aime bien, moi je ne supporte pas le maquereau. Du café pour notre Senseo de la marque Grand-Mère qu'on aime beaucoup aussi. C'est pour ça qu'on achète des gros contenants. Mais il n'est pas trop cher en plus, donc c'est vrai que ça vaut le coup. Et il est bon, je le trouve même meilleur que le Senseo. Ensuite, à Intermarché, il y avait une promotion sur les petits écoliers. C'était un lot de 6. Donc bah, c'était assez rentable. Donc ça c'est pour monsieur. Moi accessoirement parce que j'aime ça. Et Juliette adore les petits écoliers. Donc on fait une... Comment ? On va dire on fait un combo gagnant. Ensuite, j'ai exceptionnellement acheté des petits pots pour Juliette parce que lundi et mardi, je ne suis pas à la maison. Je pars chez une amie en région parisienne et du coup, je ne vois pas me trimballer mes petits sachets congélation. Je vais en avoir partout. Enfin bon, bref. Donc du coup, j'ai racheté des petits pots. Alors, je lui ai pris ceux qu'elle préférait pour le soir. Donc, c'est pommes de terre poireaux hein, qu'elle aime beaucoup. Et je lui ai pris pour le midi. En croisant les doigts qu'elle aime ça, parce que bon, connaissant la difficulté gustative de ma chérie, ça va être compliqué. Donc je lui ai pris celui-ci de Blédina, donc c'est des Blédis Chef, purée aux épinards et saumon du Pacifique. Celui-ci, je suis sûre qu'elle l'aime, elle en a déjà mangé, donc ça passe. Et après j'ai essayé de lui prendre le hachis parmentier des tout petits. Donc je vais voir ce que ça va donner, il y a des petits morceaux dedans, donc on va tenter le coup quand même, hein. J'ai pas trop le choix de toute façon. Au pire, chez l'ami chez qui je vais a un petit garçon aussi, on a une autre amie qui vient avec sa petite fille, donc on trouvera bien quelque chose à lui donner à manger si elle aime pas ces petits plats. Voilà. Ensuite, on continue avec des éponges, voilà, j'avais besoin d'éponges pour faire ma vaisselle. Alors j'ai acheté des éponges pour faire ma vaisselle, je prends les Apta, hein, la marque Intermarché, il y en a 3 dedans. Elles sont très bien, j'ai pas de problème avec. Ensuite, j'ai racheté de l'ail en poudre quand j'ai pas le courage et l'envie d'éplucher de l'ail. Je mets ça dans mes plats. C'est très bon, de toute façon, c'est 100% d'ail semoule, donc moulu. C'est tout, hein. Y a que ça, c'est déshydraté et voilà. Ensuite, j'ai acheté pour Pépette, pour moi et pour mon homme, un chou-fleur entier, comme ça... On aura un bon chou-fleur. Ils n'étaient pas donnés, je trouvais, pour le prix. Mais bon, ça fait plaisir à 3 personnes. Donc c'est pareil, on achète parce que ça change un petit peu. Et ensuite, l'eau de Juliette. Comme d'habitude. Des mouchoirs. Hein, ça reste les indispensables. Hein, j'en achète quand j'en ai plus. Il y avait des promotions très intéressantes à Intermarché. Donc, il y avait... J'ai découvert une marque... bio de produits de soins et qui s'appelle SoBio Éthique. Alors je sais pas si vous connaissez, je vais enlever ça pour que vous puissiez voir comme il faut, voilà. Donc c'est ceci et là c'était en promotion, donc en fait j'ai découvert cette marque quand je recherchais des gels douche sains pour Juliette et j'ai découvert cette marque parce qu'ils font des gels douche pour enfants alors que je trouve pas chez moi mais que je peux commander sur internet. Et là, Intermarché a fait une promotion sur quelques produits de cette marque. C'était moins 40% en réduction immédiate. Donc du coup, j'ai enfin acheté une crème de jour anti-âge. Ce qui paraît qu'à 30 ans, il faut commencer à mettre de la crème anti-âge pour éviter d'avoir des rides plus tard. Donc c'était 5 euros au lieu de 9 et quelques. Donc ça valait le coup.
Je vais tester, je vais voir. C'est à l'huile d'argan, donc ça doit être bon. Je sais pas du tout ce que ça vaut et au niveau de l'odeur ce que ça donne et ce qu'il y a aussi. Donc il y a marqué 98% d'origine naturelle, zéro parabène, silicone et parfum de synthèse. Donc on verra bien. Ensuite il y avait une autre promotion intéressante. Mon homme je lui ai offert pour son anniversaire le rasoir tondeuse, je sais pas trop comment on peut l'appeler, de Philips, le One Blade, celui qui tond la barbe à ras. Et il faut changer les lames de temps en temps. Et là, il y avait une promotion sur les lames de ce rasoir. C'est-à-dire que au lieu de 15€, c'était 10€ la lame. Donc ça vaut le coup. Alors il faut la changer tous les 4 à 6 mois à peu près. Donc là, bah, le prix était intéressant, donc on en a pris une d'avance. Ensuite, il y avait une promotion sur les couches de Juliette. Donc du coup, on a racheté des couches, même si on en avait déjà d'avance. C'était moins 30% de remise immédiate sur un paquet comme ça. Donc d'habitude j'achète les paquets vendus par 102 je crois. Là ceux-là ça me fait un petit peu plus. Non c'est 114 que je crois. Et quand on les regroupe ensemble ces deux-là sans promotion ça fait beaucoup plus cher. Mais avec la promotion ça me revient à 15€ les deux paquets au lieu de 19€ pour un paquet de 104, 112 je sais plus. Donc c'était intéressant. Et ensuite en promotion pour Juliette il y avait aussi le lait qu'on lui prend. Ça arrive souvent à Intermarché qu'ils fassent une promotion sur ce lait-là, donc du coup je lui ai racheté du Éveil Croissance Nature, en plus ça tombe bien, on en avait besoin. C'était 30% de réduction immédiate aussi, donc c'est très intéressant. Et voilà, et ensuite je me suis racheté du lait demi-écrémé pâturage et de lait de tiers pour le chat. Et ça y est, j'ai fait le tour. On a également pris un petit jouet en bois pour Juliette, mais il est déjà déballé. Ah, tu me prêtes un petit bout que je montre? Tu me donnes un petit bout? Non, tu veux pas? Bon, bah elle veut pas me prêter, donc du coup je peux pas vous montrer. C'est ah si tu me prêtes. Oh, merci. C'est des petits bâtons de bois comme ça, colorés en couleur arc-en-ciel en fait. Tiens ma chérie. Et il y en a 52 je crois. Ah, elle me montre un petit vert aussi. Voilà. Et c'était 10€. Tous les bâtons, donc il y a du rose, du rose bleu vert. Enfin vraiment la couleur de l'arc-en-ciel. C'est très joli à la présentation, c'était très joli, très tentant. Et ça a l'air de lui plaire la prof parce qu'elle débarque avec ses bouts de bâton à la main. Donc on a pris ça en plus. En tout aujourd'hui on en a eu pour, hors ticket restaurant réduction sur la carte, 142,91€. Donc ça fait très cher mais on a acheté des couches. On a acheté un jouet pour Juliette. Elle vient m'amener un bleu. Vous voyez, vous allez avoir toutes les couleurs après. Tiens chérie. Tiens. Oh ça. Donc après, nous, on a pris ce qu'il y avait sur la carte euro. On avait la carte Intermarché, il y avait 30€, plus les tickets resto. Bref, et on a réussi à accumuler 10,46€ aujourd'hui sur la carte de fidélité. Donc c'est quand même très intéressant. Bon voilà, il me reste plus que tout qu'à tout ranger, comme d'habitude, la chose que je n'aime pas. Si vous voulez venir m'aider, vous pouvez venir ranger avec moi, s'il vous plaît. Non, vous voulez pas? Bon, tant pis, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos, le vlog, etc., etc. Il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.